What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre les gars, il y a des trucs, il y a des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube qui sont vraiment bizarres. C'est vraiment, c'est un truc de fou frère. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir 5 choses paranormales qui se sont passées à la télé. Mais des trucs vraiment bizarres, tu vois, qui ont été filmés en live. Donc bref, avant de commencer la vidéo comme d'habitude, tu mets ton petit pouce bleu qui fait plaisir. Abonne-toi à la chaîne si tu kiffes le délire. Et rejoins-moi sur Instagram. Bref, c'est parti, let's go pour 5 choses paranormales qui se sont passées à la télé. Alors comme je vous l'ai dit, tu vois ce qu'on va faire dans cette vidéo les gars, c'est qu'on va voir Elefi, hein, parce que oui mais attends, tu nous oublies souvent quand même, hein. Non j'oublie pas, t'inquiète. Les gars, ce qu'on va faire, Elefi, j'ai oublié encore. Reste tranquille. Les gens, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on va voir 5 choses paranormales ou surnaturelles, ou très bizarres, tu vois, qui se sont passées à la télé et en live, tu vois. Donc ça a été vraiment visionné par des millions de personnes. Et... c'est bizarre, tu vois, c'est très étrange. Alors la première vidéo, elle vient d'un JT aux États-Unis, tu vois, où il y a le présentateur Al Roker. Ouais, rocker, je fais du rock'n'roll. Non, d'accord. Non, toujours pas, ok. Alors bref, Al Roker, qui est un présentateur aux États-Unis, tu vois, qui était en train d'interviewer des personnes qui étaient sur place, tu vois. C'était un, il y avait un événement en fait. Sauf que justement, pendant qu'il faisait cette interview, il a eu une attitude très bizarre, Al Roker, tu vois. Tu sais, il est en train de parler et d'un coup, le mec il s'est mis a bugué, genre il a vraiment bugué mais de manière hyper bizarre. Anyway, there is a lot of memories today actually. It's a big day in music history. 35 years ago today, Elvis Presley passed away, the king of rock and roll, as Mark Cohn says in his great song. Et ça c'est hyper chelou mec. J'ai regardé cette vidéo et je sais pas, je me suis perdu sur YouTube et j'ai commencé à voir que des vidéos de ça, tu vois. Mais c'est super bizarre mec, ça fait peur. C'est le mec qui parle d'un coup. Non, je rigole, j'ai pas bugué. Non, je rigole, j'arrête. Non, ça y est, j'arrête. Et ça, en fait, c'est... Je sais pas comment l'expliquer, en fait, tu vois, c'est... Le mec, on dirait vraiment un robot, tu vois, et t'as appuyé sur arrêter. T'as appuyé sur le bouton arrêter le robot, tu vois. Et le mec s'est arrêté, tu vois, genre, vraiment, il s'est stoppé, le mec, de manière hyper bizarre et pas naturelle, en fait. Et c'est ça, justement, qui est étrange et un peu paranormal. Mais les gars... Après je fais des bruits bizarres comme ça. C'est pas tout les gens, c'est pas tout parce qu'il y a d'autres vidéos qui sont bien plus pires que ça. Pendant une interview à la radio, donc dans une radio américaine, il s'est passé un truc vraiment surnaturel, paranormal, tu vois. En fait, l'interview se passait bien, tout ça, tu vois, le gars, il était en train de chiller, en train de parler avec la meuf, comme dans toutes les interviews, tu vois, à la radio, c'était normal. Sauf que bien sûr, comme vous l'avez compris, hein, dans cette vidéo, il n'y a rien de normal. Faux. Je sais pas si t'as remarqué, mais... Pourquoi je fais ça d'un coup? Comme vous l'avez compris dans cette vidéo, il n'y a rien de normal. Et comme vous l'aurez... Non, j'ai comme le vouloir... Je crois que je vais faire un AVC là. Comme vous l'aurez compris, il va se passer un truc vraiment hyper bizarre dans cette interview. En fait, l'interview passe, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, il y a un des journaux qui était posé sur la table qui s'envole comme ça. Et ça a vraiment l'air d'être no fake. Parce que genre, même la personne qui est interviewée et l'intervieweur sont choqués. Tu vois, ils sursautent au moment où ils voient le journal sauter en fait. Et ça mec, si ça m'arrive... Voilà, je me suicide. Je fais le crack comme ça, là, je tombe, je m'en fous. Et bien sûr, cette vidéo reste inexpliquée. Et moi, personnellement, tu vois, je sais pas trop quoi en penser, en fait, parce que ça se voit vraiment, en fait, que, genre, les deux personnes sont vraiment choquées de ce qui vient de se passer, en fait, parce que c'est pas du tout normal, tu vois, et ça a pas l'air surjoué, en fait. Donc c'est pour ça que je me dis que peut-être la vidéo est vraie. Et encore une fois, c'est passé à la télé, et ça a été vu par des millions de personnes. Mais attention, petite gazelle des prés. Putain, j'ai une voix, là, elle était séduisante. Franchement, là, j'ai séduit toutes les femmes du monde, là. Attention, petite gazelle des prés. Ce n'est pas tout. Adam, tu es trop charmeur. Tu as une voix, elle est charmante, je sais pas. Elle attire... c'est comme le Axe au chocolat. Tu vois, tu fais... Il y a les femmes qui arrivent. C'est pareil, ta voix. Ah, tes conneries, là. Je sais que j'ai une voix un petit peu charnelle, mais faut pas abuser non plus, tu vois. Et tu sais, le mec qui commence à faire la voix grave. Je sais que j'ai une voix plutôt portante, tu vois. Bref, on va passer à la... troisième vidéo. Cette fois-ci, ça se passe pendant une conférence de NBA. Donc, comme tous les fans de NBA le savent, de temps à autre, de temps en temps, tu vois, il y a des conférences de joueurs NBA où il y a des journalistes qui posent des questions aux joueurs NBA, etc., etc. Et où ils peuvent répondre en live, tu vois. Sauf que là, cette fois-ci, c'était vraiment
bizarre, mec, c'est bizarre tout ça. Est-ce que vous vous souvenez du mec du début, Al Roker, qui pendant son interview a bugué complètement, tu vois, comme un robot? Ben là, il y a un joueur NBA qui a fait exactement la même chose en fait. Et le truc, c'est que c'est dans des poses qui sont vraiment pas naturelles, c'est ça qui fait que c'est hyper bizarre et strange as fuck, tu vois. Genre, le mec bug littéralement comme un robot qu'on mettrait sur pause ou sur arrêt, tu vois. Et d'un coup, bam, il revient à lui, tu vois. Putain, j'ai vu un truc là-bas, j'ai cru que c'était une main. Voilà, j'ai cru qu'il y avait une main sur mon lit, c'est wesh. Bref, c'est vraiment hyper bizarre. Et encore une fois, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous en pensez? Mais attention, habibi, parce que maintenant, c'est à la 4e vidéo. Non, là j'ai fait 3. 4e vidéo, voilà, je sais pas compter. Est-ce que vous connaissez le film Bird Box? Ou Beard Box, voilà, pour ceux qui savent parler anglais, qui ont un accent claqué là. Voilà, Beard Box. Énorme film, voilà, avec Sandra Bullock. Ouais, clairement, cette meuf, c'est un bon projet. C'est... Non, il faut... Elle a 50 ans, mais elle est bien conservée. On passe. Bref, dans ce film, en fait, le truc, c'est que les gens voient des trucs hyper bizarres qui les font péter un câble, en fait, tu vois. Des trucs qui sont invisibles. Et si je te disais que, justement, ça existe réellement. Dans une chaîne de télévision aux États-Unis, aux States, pendant Thanksgiving, une animatrice a pété un câble, comme dans Beard Box, vraiment. Je sais vraiment pas quoi en penser, tu vois, c'est hyper bizarre, mais parce que dans la vidéo, en fait, on n'a pas ce qu'elle regardait, en fait, on a juste une vue sur elle et on sait pas ce qui l'a fait réagir ou ce qui l'a peut-être fait peur, tu vois, mais elle réagit de manière vraiment hyper bizarre et après elle tombe dans les pommes carrément, comme si on l'avait éteinte, justement. Et ça, c'est bizarre. C'est ça. Et la 5e vidéo, j'ai pas de 5e vidéo. Ouais, je sais. Hey, je suis le plus fainéant des youtubeurs, c'est un truc de fou, frère. Voilà, la vidéo, c'est top 5 des vidéos, je sais pas quoi, et il y en a 4. Bah bref, je pense qu'on va terminer sur ça, les gars. Si vous voulez une partie 2, les gens, commentez hashtag partie 2 dans les commentaires. Et je vous ferai une partie 2 avec plaisir, parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui sont hyper bizarres comme ça. De trucs paranormaux qui sont passés à la télé, ou qui ont même été capturés par des caméras de surveillance. Et je vous prépare du salah, baby. Bref, les gens, commente hashtag partie 2 si vous voulez une suite. Et puis voilà, maximum de likes si vous avez kiffé la vidéo. Abonne-toi à la chaîne si t'es nouveau et que tu kiffes le délire de la chaîne. Et moi, les petits potes, je vous dis à la prochaine. Peace out. Ouais, j'ai cru qu'il y avait une même, frère. Et qui fait laver.